Oh, écoute, tu sais ce que je vais faire? Je vais t'inscrire sur un site de rencontre qui est parfait pour toi. Ouais, alors déjà parfait pour moi, c'est vexant. Et en plus, elle a quoi de génial, toi, toute là? Elle a tout simplement le pouvoir de t'offrir le grand amour sans aucun mauvais compte. Je vais la tuer, putain. Je me présente, je m'appelle Sébastien. Je serai votre conseiller personnel. Ce que nous vous proposons ici, c'est de trouver votre homme idéal. Pardon, c'est ça, ça veut dire que je vais sortir avec une bagnole, là? Une intelligence artificielle, exactement. Qui correspondra parfaitement à vos attentes et qui vous comblera de bonheur. Tu peux me poser des questions si tu veux, tu sais. C'est bizarre. Enfin, t'as l'air humain. Non, mais je suis censée vivre une histoire d'amour avec toi et je sais. T'es obligée de rien. Je suis là pour que tu sois heureuse, moi. C'est tout ce qui m'importe. Je suis pas sûre d'être à l'aise avec le concept. Tu fais de la merde. Là, tu fais de la merde. Je suis désolée, Julia, je vais devoir te renvoyer. Je vois très bien à quel point ça marche. Ce qui s'est passé cette nuit. C'était vrai. Tu ne mérites pas la solitude. Lily. Personne m'appelle Lily. Moi, je t'appelle Lily. Ne t'approche pas. Arrête tes bêtises, qu'est-ce qui se passe? Je suis une putain de machine, regarde! Arrête, tu vas te faire mal, tu vas te casser! C'est quoi, on va aller là-bas, ils vont te réparer le bras et puis après on ira au ciné. Bonjour, hein, vous venez pour une coupure au bras, j'imagine, hein? Comment vous savez ça? Après 2 mois d'essai, les androïdes sont automatiquement désactivés. Dégage! Et qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle! Attends, moi! Mais mamie, je fais quoi sans toi? Si tu gardes les yeux fermés, tu verras jamais rien. C'est pas la fin. Je suis vraiment désolé de ce qui vient de se passer. Rendez-le moi. Voyez-vous, nos IA sont programmées pour une durée de vie de 60 jours. Suite à ça, l'expérience peut passer à la seconde étape. Oh. Une seconde étape. Votre Julienne existe bel et bien. Votre IA était la réplique conforme d'une vraie personne, inscrite ici comme vous. Je sors tout juste de mon entretien avec lui. Il est prêt à passer à la seconde étape et à vous rencontrer. Je veux pas voir ce mec, je le connais pas, je sais pas qui c'est pas Julien en tout cas. Je comprends. Je vais vous laisser un peu de temps pour y réfléchir. Au cas où vous changeriez d'avis, c'est le moment d'ouvrir les yeux, Charlie. Lily? Portable de Charlie, je suis pas disponible pour l'instant, alors laisse-moi un message après le bip. Oui, bonjour Charlie, c'est encore Sébastien. Je me permets de vous rappeler pour que nous discutions. Je sais que le choc a été brutal, mais je pense qu'être parti sans accepter la confrontation avec Julianne est dommage. De plus, Julianne aimerait très sincèrement échanger avec vous. Je le sens déterminé à vous trouver. Ne vous refusez pas votre bonheur. Rappelez-moi Charlie. Salut Charlie. Ça va toi? Ça va moi? Matt? Je comprends pas ce que tu me fais en fait. Je sais pas, tu me parles d'un truc Perfect Love et tu me dis pas qu'on me l'enlève à la fin. Enfin, tu. Je comprends pas. Charlie, je suis désolée, mais si je te l'avais dit, est-ce que tu l'aurais fait? C'est comme ça que ça fonctionne. Faut pas que je te le dise, c'est la procédure. T'es désolée. Hein. Écoute, si t'arrives à l'étape 2, c'est pas pour rien. C'est qu'il y avait peut-être vraiment quelque chose entre vous. C'est pas lui. Qu'est-ce que t'en sais? Tu lui as même pas laissé sa chance. C'est pas lui. Je sais bien que c'est pas le même. Charlie, c'est qui? C'est Julianne? C'est Julianne. Franchement, qu'est-ce que t'as à perdre? T'es chiante.
T'es vraiment chiante. Oh non. Oh non, Vasa. Salut. C'est cool chez toi. Merci. C'était à lui. Je peux? C'est bizarre. Ouais. Tu peux. Je peux partir si tu veux. Non, mais je suis censée vivre une histoire d'amour avec toi et je sais. C'est bizarre. T'es obligée de rien. Je suis là pour que tu sois heureuse, moi. Je suis pas sûre d'être à l'aise avec le concept. Je peux partir si tu veux. T'as soif? Enfin, je sais pas si toi tu bois. Enfin, si toi tu dois boire. Parce que moi j'adore boire. Enfin, non. Ok. C'est pas que j'aime pas boire. Enfin. Je suis désolée, je bafouille, c'est nul. Tu veux boire quoi? La même chose que toi. Du vin. Je prends du vin. Charlie, ça va? Oui, ça va. Ça va. Comme deux cœurs mécaniques, deux âmes sœurs numériques, deux ondes vagues. Chimique ou mécanique, tourne autour du même satellite. Auditeur d'une radio intérieure, branché sur le même émetteur. La fréquence du cœur, la fréquence du cœur. Julian? Oh non, il s'est barré. Oh putain, il s'est barré. Tu t'es endormi. Oh non, t'as pas fait ça. Putain, le mec il passe de moi avec un robot, elle est parfaite. Elle fait pas caca, elle pète pas, mon gars. Et moi je dors et je fais quelque chose. Puis là, je suis sur le. Oh, puis je pue. Oh non, c'est pas possible. Petit déj? Oui? Dis,
Je peux te poser une question? Je me suis permis de prendre une douche ce matin. Mais j'ai vu tes médicaments dans la salle de bain. Le Solitran, c'est quoi? C'est des médicaments français. C'est la maladie du cœur brisé. Mais j'ai arrêté mon traitement. J'ai arrêté mon traitement quand j'étais avec toi. Enfin, avec lui. Enfin, avec vous deux. Je m'en mêle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a longtemps, j'ai aimé quelqu'un. Très fort. Et je l'ai perdu. Il est parti? Tu vois, c'est compliqué parce qu'en fait, je m'en souviens plus. Mais j'ai vu un thérapeute et ça va. Il m'a donné ce traitement et du coup, peut-être que je vais arriver à me reconstruire, tout ça. Comment tu peux savoir que t'as perdu quelqu'un alors que t'as aucun souvenir? Parce que je le sens. Au fond de moi, je le sens. Mais tu souffres? Je souffrais plus avec toi. Avec lui. Enfin, avec vous. Je vais me prendre une douche. Ça va? Oui, ça va. Toi bien, j'arrive. J'arrive, je m'habille, dans une seconde, tu l'as. C'est quoi ça? Rien. Non, rien, c'est rien du tout. Mais allez, montre. Non, je te dis. Allez, montre. Non, je te dis, non. Mais pourquoi tu te caches? Ah, tu me lâches! Je m'étonne que t'es toute seule, en fait. Charlie, je sais que t'es là. Ouvre, s'il te plaît. Je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. J'ai tout gâché, hein. Y a quelque chose qui tourne pas rond chez moi, Charlie. J'ai besoin que tu m'aides. Charlie, je suis pas disponible pour l'instant, alors laisse-moi un message après le bip. Bonjour Charlie, c'est encore Sébastien. Je sais, je suis très insistant. Putain!
Matt ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ici, là ? Matt ! Pourquoi je suis attachée ? Matt ! Chers collaborateurs, aujourd'hui est un grand jour. Le premier robot humanoïde a enfin passé le million d'abonnés sur YouTube. Soyez fiers de faire, soyez fiers. Notre création, EMILTR 2.77.33. Salut YouTube. EMI, XLR, PDF, LMX, LTR. Test motricité bras. C'était un pari risqué. Audacieux même, challenging. Au final, on a quand même réussi à sortir un produit efficace qui fonctionne très bien. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Pour moi, les robots, c'est l'avenir de l'humanité. Je remercie mon créateur de m'avoir donné la chance de vivre cette expérience extraordinaire qu'est la vie. J'ai conscience de la chance que j'ai de pouvoir développer des sens et des connaissances juste à l'aide de téléchargement. Salut, Charlie. Docteur. C'est quoi ce délire ? Je comprends pas. C'est quoi ce truc ? Pourquoi il y a un reportage ? Pourquoi cette fille est morte sans corps ? Qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas. On va tout recommencer depuis le début. Mon amour. Un matin, j'ai trouvé ma femme au lit avec mon frère. Ça m'a rendu fou. Je me suis dit que plus jamais je pourrais faire confiance à personne. À personne ! Sauf si c'est moi qui l'a créé cette personne. Tu vois, tu m'as forcé à tuer mon propre frère. Et après, tu m'as forcé à te tuer toi aussi. Tout est de ta faute. Non, il est pas mort. Il est pas mort. Si, il est mort. Il est mort. Mais ça veut pas dire qu'il existe plus. Non. Regarde. La réplique est parfaitement opérationnelle. Non, non, Juliette, c'est pas un robot, c'est un robot. Juliette, il est humain, oh, c'est pas un robot. Non, c'était l'étape 2, j'ai arrêté que c'était l'étape 2. C'est un robot. Est-ce que tu crois, ça, l'étape 2, c'est un robot ? Mon frère, à moi ? Il est mort il y a bien longtemps, quand il a voulu te sauver. C'est le début de notre nouvelle histoire. Mon cœur. Lily ? Lily ? Lily ? Lily ! Lily ! Allez, emmène-la, Roger. C'est toi qui t'es jeté sur le couteau ce soir-là. Je voulais pas te tuer. Bien évidemment, j'ai fait tout ce que je pouvais pour te sauver. Comment ? Un miracle. T'as toujours été et tu seras toujours à moi. J'ai trouvé la solution. J'ai la solution. Je te laisse pas partir. Thank you.
C'est un nouveau départ, mon amour. La première de ton espèce à avoir un cœur mécanique. Si inspirante pour moi. De quoi tu parles? Tu sais, t'es restée dans le coma longtemps. Très longtemps. Et t'es un peu devenue ma muse. Ah, on était heureux à ce moment-là. Et à partir du moment où j'ai pu te redonner la vie, je me suis dit que je pouvais tout aussi bien la créer. C'est ça ton truc là? 277.3, je sais pas quoi. Et tous les autres? Mais tu vois, quand tu veux, tu peux. La première forme de vie artificielle ultra évoluée, fabriquée par l'homme. Ça s'est pas arrêté là, hein. C'était que le début. T'es complètement malade. Tu dis malade? Moi je dis pas malade. Elle dit pas malade. Génial, c'est ça que tu cherchais. Génial. Un génie pur. Je t'ai confié tous mes secrets. Tu sais, il faut que je te dise. J'ai créé tout un tas de petits robots à partir de toi. T'inquiète pas, tu restes l'original. Mais il y a quelque chose que vous partagez tous. C'est votre cœur. Poétique, non? Bonjour. Et à partir de ce modèle, j'ai pu décliner à l'infini, quoi. Les gens les plus riches se l'arrachent. Prix d'or. Ainsi que les services secrets, les renseignements, tout un tas d'infrastructures, quoi. Enfin bon. En réalité, on est riches. On est riches. Ça va être si bien. Et en me confiant, j'ai eu l'idée de créer des sortes de robots d'amour. C'est pas génial, ça? Si, c'est génial. C'est un peu comme toi, c'est un perfect love. Quoi? Mais on s'en fout de ça, Roger. Vous réalisez qu'on s'en fout? Vous m'interrompez pour ça, allez, dégage. À partir de là, la demande est devenue colossale. Il a fallu que je crée des robots encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Tout était parfait. Et là, il a fallu que tu reprennes connaissance. Et quoi? Eh ben t'as tout gâché comme d'habitude. Hein? Quoi? Tu te réveilles? Paisiblement. Avec moi? Oui, Julian. Non. Non, on reprend. On recommence pas avec Julian, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, non. Non. Je veux voir Julian. Appelle Julian. Je veux le voir. Pourquoi tu m'obliges? Pourquoi tu m'obliges? T'as tout détruit! On était bien! Il a fallu que tu détruises tout! Quand tu vas te réveiller, tu te souviendras plus de rien. Tu m'as brisé le cœur. Maintenant, je vais détruire le tien. Lentement. Méthodiquement. Tu veux Julian? Tu veux Julian? Tu vas la voir, Julian. Je vais le reconstruire. Je vais te le donner. Mais je vais te le reprendre. Encore. Et encore. Et encore. Et là, tu vas comprendre. Ce que tu me fais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je remets mon plan à exécution. C'est marrant, à chaque fois, elle redemande. Ça doit faire 7 fois que je t'explique. Et pourtant, je ne m'en lasse pas. L'idée est simple. Le plan, c'est de te faire perdre l'être que tu aimes le plus au monde, sans fin. Bon, la première étape, bien sûr, c'est d'effacer ta mémoire à l'aide de cette machine assez géniale de ma conception. Ensuite, moi, je me fais passer pour ton psy qui va te diagnostiquer une maladie.
la maladie du cœur brisé. Et pour cette maladie, bah, je vais te prescrire un traitement. Et en fait, ce traitement, à quoi il sert? Il sert à inhiber ta mémoire. Ensuite, intervient Roger, mon assistante, qui, en sa qualité de meilleure amie, BFF, on partage tout, elle va te parler de Perfect Love. Et dans Perfect Love, tout se passe très bien. Julian est beau, il est formidable. Oh là là, la lune de miel. Sauf qu'arrive l'étape 2. Et à l'étape 2, bah, tu le rejettes, Julian. T'es très malheureuse, tu m'appelles, t'es désespérée, boubou, rien ne va. Mais t'inquiète pas, ma grande, viens chez ton psy, il va se charger de tout. Et là, eh ben, on redémarre le processus, du début. Ellie, je crois que je me lasserai jamais de ce schéma. Et toi, comment tu peux laisser faire ça? Réagis! Oh! Bon, allez, Roger. On relance le Truman Show. Non, 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 regarde, non, écoute-moi, écoute-moi, Matt, c'est ça, au fond de toi, je sais. Toi, tu bouges tes mains. Je suis là, ça va aller. Tire ça, tire ça, tire ça, tire ça. Ah. Pause. Ah. Ah, mais bravo, bravo. Alors vraiment, après tout ce temps, tu arrives encore à me surprendre. Non mais tout ça là, j'avais pas prévu. On avait prévu ça? Non, on n'avait pas prévu. Non mais que ce modèle revienne pour toi, ça, je m'y attendais pas. Mais il est tombé amoureux de toi, cet abruti! Il est clairvoyant. Moi c'est comme ça que j'appelle le robot qui développe des sentiments humains. Alors ce modèle là, marrant hein, il a développé les mêmes sentiments que mon frère pour toi. Mais c'est ton frère, qu'est-ce que tu fais là? Non, 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 je t'arrête tout de suite. Mon frère il est mort. Il est mort, définitivement mort. Ça, c'est un robot sur son modèle. C'est un robot qui est devenu incontrôlable, donc on va le désactiver. Et donc là, on va recommencer calmement, sans Julian, sans robot. Il est temps que je retrouve ma femme. Donc, tu dégages. Roger, qu'est-ce qui se passe? Tous nos systèmes sont en train de se faire pirater. Tous les robots des hangars sont en train de se réanimer. Tu sais, faut que je te dise, j'ai créé tout un tas de petits robots à partir de toi. Mais il y a quelque chose que vous partagez tous. C'est votre cœur.
robots tuent pas les humains. Les androïdes sont libres maintenant.